Bonsoir à toutes et à toutes, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne des Bretons. Donc comme je vous ai dit hein, hier ou avant-hier, bientôt la chaîne va changer de nom. Voilà, c'est prévu pour cette nouvelle année 2000, 2021. Ça fait bien maintenant presque plus d'un an et demi maintenant qu'elle s'appelle, je ne sais même pas trop si 2 ans. Hein. Ça fera 2 ans au mois de mars, notre chaîne. Donc ça fera presque 2 ans C'est mars. que ça s'appelle Les Bretons. Après, je sais pas si ça fait 2 ans que ça s'appelle comme ça, par contre. On n'est pas loin. Hein. Un an sûr. Un an sûr. Donc voilà, si on est toujours en train de chercher. Moi je vais mettre des trucs en breton. Mais le problème c'est que Cécile elle m'a dit. À part ceux qui sont de la Bretagne, et encore, je ne sais même pas si ils vont connaître la langue. Et moi, je vais absolument mettre au moins un mot en breton dessus. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, là, on est toujours en train de chercher. Voilà. Donc, je suis pas là pour parler de ça. Je vous ferai une petite vidéo spéciale pour ça. Voilà, que ce soit une petite vidéo courte. Comme d'habitude, hein, les concours de Leader Prize, moi je commence à avoir chaud, les copains. Normal, j'ai monté un peu de chauffage. En plus, je sais pas si chez vous il fait beau, mais en tout cas, nous ici, c'est grand soleil. Le ciel est bleu, grand soleil. Ouais, mais il fait pas si chaud que ça. Hein. Mais bon, il fait pas 40 degrés non Il plus. fait que Hein. 6. Il fait pas 40, il fait quand même assez doux avec le Il fait 6 soleil. degrés. Il fait pas froid au soleil. C'est ça que je voulais vous dire. Donc comme j'ai dit, petite vidéo, des concours, Leader Prize et concours du marché. Donc j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai pris vraiment le strict, strict minimum. Donc j'ai repris, là ils ont remis le fameux soda là, que j'ai pas pu avoir hier. Donc j'ai remis le fameux soda. Enfin j'ai pris le fameux soda. Plus à la boulangerie, j'ai pris la baguette. Ah, tu vois, c'est avec lui. J'en doutais. La baguette, on s'en fout. Mais. Oh non! J'ai obligé de prendre du papier comme ça parce que l'autre, comme par hasard, il n'y en avait pas. Donc il n'y avait que ça. Je sais que si, elle n'aime pas, mais bon. C'était ça où on se torche pas le cul. Alors, comme ça, voilà. Je sais qu'elle aime pas parce que ça, quand elle s'essuie, ça reste des genre de petites peluches. Et voilà, elle aime pas. Donc, c'est déjà mieux que rien. Au moins, on a du papier. On a du papier pour se torcher le cul. Des clopes, comme d'habitude. Bientôt, elle va arrêter parce que ça devient de plus en plus trop cher le paquet de clopes. 10 euros tous les jours, c'est bon quoi. Ensuite, des émincillants gelés pour encore être cabillé sur mon son pour Mahouts et Blacko. Hein, comme je dis à chaque fois, c'est plus pour Mahouts. C'est comme lui, c'est un vrai gourmand. Surtout quand il ne reste plus beaucoup de filets, donc je leur donne ça. Comme ça fait économiser un peu les sachets de Félix. Et on leur donne que le soir, comme ça au moins le soir, comme ils ont beaucoup, ils auront plus de calcium et tout ça dans leur corps. Donc ils pourront mieux dormir la nuit. C'est avec ça, Daco il dort pas, hein, il leur demande encore. Et j'ai pris des triples. Voilà, des triples à la tomate. Je sais que Cécile adore ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et moi j'aime bien aussi. Donc pareil, j'ai toujours pas de vin blanc, ça c'est un peu chiant. Parce que mettre un petit peu de vin blanc, c'est très très bon. Voilà. Et ça se fait là, tout simplement dans une casserole, une genre de petite cocotte comme ça, éventuellement. Et vous laissez chauffer tout en remuant, vous mettez ça colle. Donc on va se le manger à deux. Enfin, j'espère que c'est un truc pour deux, que c'est pas un truc pour une personne. Largement assez pour deux. Ça, mon beau-père, qu'est-ce que j'ai pu lui faire chauffer ça le matin? Oh,
Mon beau-père, il adore ça. Que ce soit la tomate ou nature et tout en vin blanc. Oh, comment il kiffe! Ça se mange avec des pommes de terre, ça. Oui, ça se mange avec des pommes de terre, ouais. Oui. Mais c'est normalement des tripes, c'est quoi? C'est. Des tripes? Oui, mais c'est quoi? C'est quel pays? C'est normand? C'est breton? C'est Ah, ça italien? dépend. C'est portugais? C'est quoi? Ça dépend. T'en as de la Normandie. Ils mettent même pas d'où ça vient. Moi, je recommence à avoir les yeux fatigués. Donc voilà pour les petits cocos Ah non, là, de. ils mettent le service consommateur Vitry. Ouais, bah oui, non, bah c'est pas ça. Et maintenant, on va attaquer. Ouh, j'ai eu un peu la tête qui tourne. Ça veut dire qu'on commence à avoir la dalle. Vous voyez, comme je vous dis, des fois, de temps en temps, 77. on est un petit peu. On est un petit Vienne peu. 77. Mais 77, mais c'est quoi ça, 77? Bah, c'est vers. Bah, Vers le Rhin? la Seine-et-Marne. C'est énorme? Ouais, mais bon. Donc voilà, ça sera un plat pour la semaine. Comme c'est fermé, comme ça sera fermé à 18h. Ensuite, j'étais à la charcuterie, enfin au traiteur. Parce que normalement, je devais aller au marché de Villiers, marché portugais. Le problème, c'est que bah, j'ai traîné à la maison. Quand je dis traîner, c'est vraiment traîner. Comme d'habitude. Et du coup, quand j'ai vu l'heure, je dis bah laisse tomber, c'est même pas la peine. Du coup, j'étais au marché de en haut de chez nous, pas très loin là. Et j'ai pris quelques petites bricoles au marché. Donc comme Didi, j'étais au traiteur. Donc c'est un traiteur que je connais la patronne, parce que maintenant elle est à la retraite. Je connais la patronne qui m'a connu tout gamin. Pas bébé, hein, mais m'a connu tout gamin. Parce que le marché, l'école est juste. Parce que t'as la place du marché, c'est là où il y a le marché. Et en face, t'as l'école Jean Charcot. Pour ceux qui connaissent, qui ont connu Joinville, Saint-Maur, Joinville, tout ça. Ils ont dû sûrement connaître l'école Jean Charcot. Moi, j'étais à cette école-là. Elle m'a connu à cette époque-là. J'ai connu son gamin. Alors moi déjà j'étais jeune. J'étais jeune, beau et jeune. Maintenant je suis vieux et moche. Et son gamin, bah, c'était un tout petit bout de chou. Je l'ai connu vraiment tout bébé, tout bébé. Et maintenant quand tu vois, c'est lui qui reprend le flambeau de sa maman, les trucs de traiteur. Et maintenant, il doit avoir 40 ou ouais, entre 30 et 40 ans qu'il doit avoir. Et vraiment, je l'ai reconnu vraiment dans la poussette et tout. On s'est toujours pris d'amitié, franchement. Et c'est une maman qui a connu un peu mon parcours avec ma mère, surtout avec ma mère. Elle était attristée de mes douleurs et tout, et tout, et tout. Mais j'ai le droit de parler. Et du coup, c'est une personne qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup estimé. Elle m'a beaucoup bien aimé. Un peu comme un deuxième fils, voilà. Elle me prenait un peu comme son deuxième fils. J'ai même travaillé pour elle. Je faisais juste la plonge, les conneries comme ça. C'est comme ça me faisait un petit peu de sous-sous pour m'acheter mes paquets de curly pour aller à l'école. Et du coup, à chaque fois, je prends souvent chez eux. Donc voilà pour la petite histoire. Oh, ouf. Oui, alors pour ceux qui cherchent le live, c'est pas peine de le chercher. Oui, pour ceux Parce que qui là, l'ont là, il est effacé. Il est effacé par mégarde parce que le problème c'est que sur ma tablette, dans quel cœur, justement, elle demande, elle dit, j'ai pas le live en replay. donc du fait que ça marchait pas sur ma tablette, je sais pas ce qui se passait. C'était toujours en traitement. Or que normalement, ça n'a pas dû être encore en traitement. L'autre live de samedi dernier, c'est pareil, c'était encore en traitement. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai effacé. En pensant que ça n'allait pas effacer sur les téléphones.
Puis apparemment, sur les téléphones, Cécile, elle l'avait, mais moi, sur la tablette, ça n'allait pas. Du coup, moi, je l'ai effacé, et problème, ça, en fin de compte, ça a tout effacé, même sur les téléphones. Donc, ça fait quand même deux fois de là que je fais que ça ne me met pas sur la tablette. Donc, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, la mise à jour de YouTube, tout ça, ça a été fait. Donc, ça devrait, normalement, ça devrait fonctionner. Et là, je sais pas. Ça fait deux fois que ça me fait le coup. Donc, c'est un petit peu chiant. Donc, voilà, je tenais à vous le dire. Si vous voulez revoir le live en replay, c'est pas la peine. Il n'y en a plus. Qui est en direct. Il n'y en a plus. Voilà. Et il y a Sibyl qui est en direct. Un petit coucou à Sibyl en passant, ma chérie. Donc, j'ai pris de la salade pimentaise fait maison. Donc, ça, c'est fait maison. Hein. C'est pas industriel, hein, comme d'habitude. Hein. Salade pimentaise, elle est super, super, super bonne. J'en prends souvent chez eux. Et franchement, il n'y a rien à dire. Donc, ça, c'est pour Cécile, parce qu'elle en avait envie. Et moi, j'ai voulu goûter. Enfin, j'ai déjà goûté. Mais bon, oui, il y a toujours des meilleurs. Et normalement, c'est Cécile qui prend ça parce qu'elle l'aime bien aussi. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais le manger. C'est le salade du pêcheur. Avec du poisson, des patates, enfin, les olives. Je vais en faire cadeau à Cécile parce que moi, je vais avoir des olives. Donc voilà. Ça fera un petit plat pour moi dans la soirée ou pour mon travail. Ensuite, pour la semaine, j'ai pris pour le mardi ou mercredi, je sais pas. Bon, je prends avec les doigts, hein, j'ai les mains propres. J'ai pris un gros truc de travers de porc comme ça. Apparemment, il m'a dit qu'il n'a jamais eu de retour négatif. Il n'y avait que des positifs. Apparemment, la viande, elle est très bien cuite, elle est très très bonne et tout. Donc j'ai pris, vous voyez, là, j'ai pris vraiment un gros morceau, vous voyez. Voilà, ça va changer un petit peu les viandes normales, parce que c'est vrai que travers de porc, bah, Cécile et moi, on adore ça, on aime bien. Mais c'est vrai, on pense jamais d'en acheter. Du coup, là, comme c'était pas cher, il m'a fait un prix. Il m'a fait un prix, donc voilà. Et j'ai pris un poulet. Un poulet, c'est pareil, et il m'a fait un prix sur le poulet. Et c'était un poulet à 9 euros, il me l'a fait à 6 euros. Comme c'est presque à la fin du marché. Et en plus, super bien cuit. Allez, super bien cuit. Tiens, regarde, tu vas aimer ça. Là, au moins, il est bien cuit. On pourra pas dire que c'est un peu rosé à l'intérieur. Voir si c'est du rosé, il y a un gros souci, quoi. Voilà, donc c'est pareil, il m'a fait un prix. Sur ça, sur le poulet. Et c'est un poulet style un peu fermier, quoi. Donc voilà, c'est pas le petit bébé de poulet, c'est le gros. Et ben c'est tout. Voilà, tout simplement. C'est tout pour le marché. Donc, vous voyez, hein, j'ai pas pris grand chose. Je fais quand même attention aux sous-sous quand même, parce que ça part tellement vite, tellement tellement vite les sous-sous. Et même au marché, ça a vachement, vachement augmenté au niveau des prix aussi. Avant, tu pouvais faire un plein de marché. Maintenant, tu n'as presque pas grand-chose dans ton caddie ou dans tes sacs. Ou alors, si tu veux te faire plaisir, bah, ça te fait un beau petit billet de 100 euros, quoi. Même des fois, si c'est pas plus. Mais bon, ça va, là, j'en ai eu quoi pour. Au marché, j'ai eu grosso modo. Allez, un petit billet de 20 euros quoi, aujourd'hui pour les entrées et plus les viandes. Un petit billet de 20 euros. Donc voilà, ça va quoi. Bon, c'est vrai, c'est pas assez. C'est vrai, c'est pas beaucoup pour 20 euros. Normalement, je devrais peut-être avoir peut-être un peu plus. Mais au moins, voilà, c'est bien quoi. Même si c'est un petit peu cher, c'est pas mal. Donc voilà. Donc j'ai mis le fameux masque noir que j'ai acheté au marché. Donc très très bien, franchement très bien. Il est légèrement un petit peu plus épais que les bleus. Au niveau du montage des oreilles, bah, il tient très très bien les oreilles. Et t'es pas comme les bleus,
t'es tous les 2 minutes en train de le remonter parce qu'il descend le bordel. Ça, une fois qu'il est mis sur le nez, franchement, il bouge pas du tout. Je l'ai mis, je l'ai. Parce que quand je suis descendu, j'ai oublié le masque, je suis remonté. Et puis, bah tiens, je vais essayer le noir. Et franchement, depuis que j'ai été faire les courses à Lidl et directement au marché et tout, et ben pas une seule fois j'ai remonté le masque. Si j'ai juste baissé parce que comme on était dans la rue et voilà, je commençais un peu à être un peu étouffé avec le masque. Je me suis pris un peu de l'air. Mais sinon, pas une seule fois j'ai remonté le masque. Donc voilà. Très très bonne qualité, j'en suis très content. Pour 3 euros, franchement, les 50. Et au marché du haut, j'ai vu qu'ils vendaient pratiquement les mêmes, à part le design de la boîte n'était pas pareil. Et lui, par contre, il les faisait à 5 euros. Donc voilà, donc moi, j'ai gagné, avec le marché du bas, j'ai gagné 2 euros, quoi. Il faisait à 2,99 €. Donc voilà pour la petite anecdote du Mamasque. Voilà pour ça. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser. C'est vrai que Cécile, on va grignoter un petit peu parce qu'on a encore la vidéo de action à faire. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo que j'avais déjà préparée pour les nouvelles vidéos de 2021. Donc, par contre, je ne sais pas trop laquelle que je vais faire. On va peut-être faire un tag. C'est tout dépend si Cécile elle est pas trop fatiguée ou pas. C'est pareil, ça, on a commencé à faire le time, mais bon, on a encore pas mal de trucs à faire, donc ça c'est prévu aussi. Et du coup, bah voilà, donc j'ai plus rien à dire. Voilà, juste que je commence à avoir les crocs, c'est celui-ci, c'est et n'oubliez pas de, si vous avez cette petite vidéo sur la chaîne des Bretons, n'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite cloche, de vous abonner, sur la chaîne de Queen Cécile tout en majuscule. Et sur ma deuxième chaîne, l'univers painting et création. Voilà. Donc, merci à vous tous pour vos gentils commentaires. Je sais que là, j'ai fait pas mal de petites vidéos que je n'ai pas encore répondu. Donc, ne vous inquiétez pas, ça sera fait dans les 2 semaines qui vont arriver. Même ça se trouve, même pas en 3 jours, j'aurai déjà tout répondu à vos commentaires. Comme vous savez, je réponds toujours. Mais là c'est vrai, j'ai laissé un peu. Donc comme ça, je vais pouvoir vous répondre et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voili, voilou. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez un bon dimanche. Reposez-vous bien. Et bon courage pour ceux qui travaillent. Bon courage pour ceux qui travaillent à la maison. Bon courage pour les enfants. Bon courage pour ci. Bon courage pour ça. Et puis voili, voilou. Allez, ciao, ciao. À la prochaine vidéo. Bisous à tous. On vous aime.